La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres de cette édition. 2019, année de nouveaux défis pour le gouvernement togolais. Défis en matière de croissance économique dans la droite ligne des réformes déjà entreprises les années dernières. Nous découvrirons dans cette édition la suite de ces réformes. Et puis les acteurs du secteur industriel mettent leurs idées en commun pour l'élaboration de la politique industrielle du Togo. Une politique qui sera en lien avec le PND et permettra de booster le développement industriel du pays à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. La présidente de l'Assemblée nationale Yawa Digori Tiegan a reçu en audience lundi l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Le diplomate américain a félicité la présidente, première femme élue à la tête du Parlement togolais, et échangé avec elle sur les relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo à l'Amérique. Nous écoutons l'ambassadeur américain au micro de Dodo Waré. C'est un honneur pour moi de rendre visite à la présidente de l'Assemblée et pour le féliciter de son rôle comme présidente de l'Assemblée et pour être la première femme, certainement, d'être la présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Nous avons parlé des programmes et des activités de l'Assemblée nationale, surtout les projets de loi, les réformes constitutionnelles qui ont été proposées. Nous avons aussi parlé de l'importance du renforcement des institutions démocratiques, le rôle de l'Assemblée nationale, l'importance d'avoir un gouvernement qui répond aux besoins des citoyens et qui est proche des citoyens. Nous avons parlé de certainement les élections locales qui ont été annoncées pour cette année, l'importance de un autre élément très important pour renforcer la démocratie au Togo. Et toujours à l'Assemblée nationale, une délégation de l'Association des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale était ce matin au Parlement pour une séance d'échange avec les parlementaires. La rencontre a permis à la délégation d'avoir un aperçu de la 6e législature, ses activités et son fonctionnement. Le reportage est signé Dodo Waré. Au cœur des débats entre parlementaires et auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale de France, des sujets liés à la loi fondamentale et à la vie du législatif. La représentation nationale, avec à sa tête la présidente Yawa Digori Tiegan et son hôte, ont passé en revue des questions relatives aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, le rôle des institutions de la République et les prérogatives de l'Assemblée nationale. Également, la relation entre les élus locaux et les députés et l'implication des femmes dans le processus de développement ont été évoquées. Des échanges qui ont permis à la délégation française de faire le rapprochement entre le Parlement togolais et celui de France et d'en apprécier le fonctionnement. Nous avons été intéressés par les ressemblances avec notre propre Assemblée nationale. Il y a une grande proximité entre les institutions qui nous ont été présentées et nos institutions françaises. On a souligné la différence, puisqu'il n'y a pas ici de Sénat actuellement, mais le bicaméralisme est prévu dans votre Constitution. Et nous avons été aussi très frappés par le rôle que l'on voulait donner aux femmes sur tous les efforts qui sont faits en faveur de l'implication des femmes dans la vie politique. C'est dans sa mission de recherche et d'étude de l'actualité des pays riverains du Golfe de Guinée sur la sécurité et le développement que la délégation est présente au Togo. Sa visite à l'Assemblée nationale va renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui lient la France et le Togo depuis plusieurs années.
Depuis la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, nous avons des amis qui, dans le cadre des partenariats avec notre pays, viennent visiter l'Assemblée nationale, échanger avec nous et féliciter surtout l'élection d'un nouveau bureau qui a à sa tête aujourd'hui Madame la Présidente, Madame Tchégan. Donc c'est le renforcement de nos relations, de notre partenariat avec les amis, avec nos partenaires habituels, et là en l'occurrence la France qui envoie une délégation chargée d'hommes et d'affaires, de la défense, de la diplomatie, qui viennent échanger avec nous, et pour nous c'est quelque chose de très bien, parce que notre pays a besoin aussi de ces partenariats pour son développement. La délégation française s'est particulièrement réjouie des efforts fournis par le Togo dans le renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Elle s'engage à collaborer avec le pays dans son processus de paix pour un développement durable. Depuis plusieurs années, déjà quelques années, les plus hautes autorités du Togo ont entrepris différentes réformes pour accélérer le développement économique du pays et booster ainsi sa croissance. À l'orée de cette année 2019, des dispositions sont encore prises par le gouvernement pour rendre le climat des affaires plus attractif pour les investisseurs. En clair, pour poursuivre ce qui a déjà été amorcé. Qu'est-ce qui sera concrètement fait pour améliorer la gouvernance économique au Togo durant cette année 2019? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Carmen Maggi Akapo. Le Togo veut créer un nouveau cadre des investissements pour mieux développer son économie. Selon le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, il sera question de procéder à une réforme du cadre existant en vue de le rendre plus attractif pour les investisseurs tout en assurant leur juste contribution aux finances publiques. Pour ce faire, certaines dispositions des codes des investissements et miniers devraient être modifiées. En outre, les pouvoirs publics devraient procéder à la mise en place d'un écosystème, d'une gouvernance, d'un dispositif de protection et d'accompagnement. Un meilleur ciblage de la dépense fiscale pourrait encourager et orienter l'activité économique et permettre de réduire la dépense fiscale tout en maintenant une attractivité suffisante auprès des investisseurs. À terme, l'idée est de simplifier et de renforcer l'accompagnement des investisseurs. Cette refonte pourrait permettre de mobiliser de façon optimale des ressources du secteur privé dans la contribution à la mise en œuvre du Plan national de développement PND est projetée à 65%. Toujours dans le souci d'améliorer la gouvernance économique, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, MIFA, est transformée en société anonyme SA. Selon le deuxième conseil des ministres, cette mesure est opérée non seulement en considération des résultats concluants enregistrés après 6 mois de phase pilote, mais aussi de l'intérêt et de l'importance que suscite ce mécanisme. Le nouveau montage institutionnel est centré sur un modèle de partenariat public et privé pour mieux répondre aux attentes des acteurs du secteur agricole et de ses partenaires. De ce fait, le Conseil des ministres souligne que le décret portant création de cette société anonyme consacre à la mise en place d'un cadre approprié et incitatif favorable à la mobilisation des investissements du secteur privé. Cette évolution du cadre juridique intervient quelques semaines après une rencontre de travail entre la coordination du MIFA et la BOAD. L'équipe du MIFA a donc à cette occasion fait une présentation du projet. À la fin, l'institution financière de l'UMOA a donné son accord de principe pour accompagner l'initiative. Et puis le Togo veut faire de l'industrie le levier de sa croissance économique à l'horizon 2030. Les acteurs du secteur de l'industrie, justement, sont en réunion à Nantes pour l'élaboration de la politique industrielle du Togo. Il s'agit pour le gouvernement de doter le pays d'une politique industrielle en lien avec le Plan national de développement PND est capable de booster le développement industriel du pays. Les précisions avec ce compte-rendu de Arnaud Kilou. La vision du gouvernement est de faire développer et pérenniser une industrie nationale intégrée, compétitive sur la scène internationale et capable de booster le développement à l'horizon 2030. Ceci passe par l'élaboration d'une bonne politique industrielle, comme c'est le cas avec les parties prenantes ici à Nantes,
en vue d'attirer les opérateurs économiques à investir dans les activités productives. La politique, c'est un instrument de planification. On ne peut pas aboutir à un développement industriel si on n'a pas de documents qui permettent une lisibilité claire pour savoir où nous sommes aujourd'hui en matière d'industrialisation, c'est-à-dire l'état des lieux. Quelles sont nos forces et nos faiblesses? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller vers l'industrialisation demain? C'est parce que nous avons un objectif. Si nous devons aller vers l'industrialisation de demain, cet objectif-là est même en cohérence avec le PND. Donc aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des documents qui nous permettent de booster le développement industriel et d'arriver à faire contribuer significativement ce secteur-là à l'économie nationale. De façon inclusive, il sera produit un document de politique et de plan d'action qui définit toutes les orientations qui prennent en compte les préoccupations de tous les acteurs, surtout ceux du secteur privé. L'objectif étant d'améliorer la contribution du secteur industriel à la croissance économique et à la création d'emplois. Et de leur côté, les ingénieurs et décideurs dans le secteur du numérique au Togo sont en session de formation depuis ce lundi à Lomé, et ce pour 5 jours. Cette formation qui porte sur les techniques de routage, des points d'échange et l'interconnexion de l'Internet permettra à ses participants de cerner le fonctionnement des points d'échange et leur intérêt. La formation va équiper ces ingénieurs à la fin pour l'amélioration de leur offre de services. Les précisions avec Luc Assi. Les technologies de l'information et de la communication ont connu une ascension fulgurante ces dernières années au Togo. Ceci au regard de l'infrastructure de connectivité Internet, tant au niveau de l'Internet haut débit fixe qu'au niveau de la pénétration de l'Internet mobile. De 48% en 2012, la pénétration de la téléphonie mobile est passée à 86% en 2017 et le développement constant de l'Internet mobile de 3% à 36% sur la même période. Une évolution numérique qu'il faut accompagner avec des garde-fous. D'où la naissance de plusieurs projets, dont le point d'échange Internet du Togo, qui fait ici objet d'une formation. Le point d'échange Internet, c'est une infrastructure physique, un code d'interconnexion qui permet aux opérateurs nationaux et aux fournisseurs de services Internet de pouvoir échanger le trafic, de sorte à ce que le trafic local soit conservé au niveau du Togo. L'objectif de cette formation, c'est un peu de sensibiliser les acteurs autour du potentiel que peut avoir ce point d'échange, notamment tout ce qui est opportunité d'affaires, tout ce qui est amélioration de la qualité du service de l'Internet, mais aussi tout ce qui est cyber-résilience au niveau national. Donc l'idée à l'issue de cette formation, c'est que tous les acteurs puissent se parler et puissent traduire leur stratégie politique en des politiques d'interconnexion au niveau technique. L'infrastructure du TGX appartient à l'État togolais. Et l'État togolais a cédé la gestion à une association qui représente l'ensemble des opérateurs de télécommunications au Togo. Et c'est cette association qui est le TGX. Cette formation promue par le Togo Internet STN.TGX cible des décideurs et ingénieurs du domaine. Elle porte sur les techniques de routage, des points d'échange et l'interconnexion de l'Internet. La présence du point d'échange Internet au Togo va améliorer de façon significative la qualité de service Internet. Elle devra contribuer à la réduction du coût de la connectivité pour les utilisateurs finaux et surtout booster le commerce et les transactions électroniques au Togo. Entrepreneuriat à présent, l'adresse est certainement peu connue de tous, mais elle mène à la ferme d'élevage des poulets de race locale, des olacodes, des caprins, lapins et bien d'autres. Située à 9 km d'Azaon, dans la préfecture d'Avé, à environ une centaine de kilomètres de Lomé, le propriétaire de la ferme, il s'agit de Yaovi Sejro, entrepreneur agricole. Il est l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs 2019 du Togo et est sélectionné pour représenter la jeunesse togolaise du 11 au 16 mars prochain à Marrakech, au Maroc, pour le forum de la Confeges. Que trouve-t-on dans sa ferme? Comment entretient-il ses animaux? Bref, qu'est-ce qui fait la particularité de la ferme, la référence? Allons à sa découverte avec ce dossier de Augustin Kossi. Un petit matin, quelque peu ensoleillé aux confins du village de Gadiate, à 9 km d'Azaoun dans la préfecture d'Avé. Dans cette ferme spécialisée dans l'élevage,
on trouve plusieurs catégories de cheptels. Yao Sejro est à la tête de la ferme d'élevage depuis quelques années. Les cheptels sont répartis en différents enclos. C'est parce que j'avais commencé au début. C'est une cour où, quand je prenais les poules arrivées, et je prenais les poussins que je démarrais. Quand ils grandissent, je les mets ici. C'est les poules de race locale. La ferme et la référence, nous avons payé le domaine ici en 2011. Mais pour que ça en termes réels, c'est à partir de 2014 où nous avons commencé à mettre la basse cour. Et en 2016, et grâce aux subventions de Pépèche, avec mes fonds personnels, j'ai pu entamer la basse cour. Nous avons non seulement les poules locales, nous avons aussi les chèvres, et nous avons les olacodes, communément appelés les agoutis. Nous avons les lapins. Et on a les porcs qu'on a essayé de délocaliser. Nous faisons aussi les champs. Nous faisons le maraîchage un peu et nous faisons aussi la culture d'ignames beaucoup plus aussi. Dela est un des collaborateurs de Yao. Chaque jour, il va d'enclos en enclos pour s'assurer de l'état de santé des animaux. Dans ce poulailler des poulets de race locale, au milieu des pondoirs, abreuvoirs et perchoirs, on le voit à l'œuvre. Dès le début de la matinée, je fais un peu le tour du périmètre pour voir s'il n'y a pas d'infection au niveau des animaux. Après, je rentre dans le poulailler, je fais la vérification des mangeoires, voir s'il n'y a pas d'animaux malades pour les faire sortir et les mettre en quarantaine. Je m'occupe de leurs abreuvoirs, je lave, je change l'eau de la veille et puis je remets de nouveau et puis je sers l'aliment. Là, c'est leur pondoir, c'est dans celle à laquelle déposent leurs œufs. Après l'éclosion des poussins, nous les ramassons, nous les démarrons, nous les entretenons pour qu'ils puissent grandir. Et après, nous les amenons dans le poulailler principal. Dans cet autre enclos de la ferme d'élevage, des rongeurs, des olacodes et lapins, toujours propriété de Yao. Mais San est celui qui s'occupe et prend soin de ces animaux. Le matin à 6h, tu arrives, tu contrôles d'abord les agoutis, voir leur position et tu fais sortir les abreuvoirs. Et les mangeoires. Tu sors le reste des aliments qu'ils avaient mangés par le passé la nuit et tu commences par balayer. Après avoir balayé, tu resserres l'eau et l'aliment. Ce sont les animaux, des rongeurs, qui aiment consommer les herbes plus la nuit. Donc on les sert encore vers la soirée. Pour faire le croisement, d'abord on amène la femelle chez le mâle. Quand on amène la femelle chez le mâle et il le croise, et toute la journée il reste chez le mâle et le mâle lui fait le croisement. Et après tout, on enlève la femelle qu'on remet dans sa cage et c'est parti pour 5 mois. Sa gestation dure 5 mois. Si quelqu'un veut refaire encore l'élevage, on prend les femelles d'une famille, en plus les mâles d'une autre famille pour qu'on évite les consanguinités. C'est de même pour les lapins. Les lapins aussi, eux aussi, il y a la consanguinité chez eux. Le croisement du lapin, en moins de 2 heures, c'est terminé. Et sa gestation dure un mois. Et nos animaux, surtout les poules locales, nous avons une prophylaxie sanitaire que nous suivons depuis le démarrage jusqu'à la fin pour les soins vétérinaires et les produits que nous les administrons. Donc nous-mêmes, nous le faisons. Mais si on a des besoins, on fait appel aux plus experts pour plus de conseils. La vaccination, surtout quand on fait par exemple itagne contre la peste, la pseudopeste, ça vient. Et ça fait 6 mois avant qu'on ne fasse encore les rappels. C'est le parcours de celui qui s'est orienté vers la terre et qui a cru en élevage. Il est sélectionné meilleur jeune entrepreneur togolais 2019 dans la catégorie. Son génie ne s'illustre pas seulement dans l'agriculture. Par son ingéniosité, il s'essaie aussi dans la décoration à travers la transformation des objets usés. Il accompagne d'autres jeunes sur le terrain. Mais il y a des jeunes qui vont sur le terrain, ils échouent lamentablement. Faute de quoi? Faute de pratique et d'expérience. On les forme en entrepreneuriat, mais le terrain sur lequel eux-mêmes ils vont, c'est glissant parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du terrain. Donc nous sommes entrés en négociation avec l'État, par exemple le FAEJ, le ministère, tous les mécanismes qui sont mis en place pour que ces jeunes-là passent par nous où ils peuvent venir s'imprégner de la réalité. Quelqu'un qui veut faire le levage des poules locales, il vient
Faège ou bien Pradeb, ils nous les envoient, on les forme ici. Et quand ils vont quitter, nous, nous allons assister, les assister et les installer pour eux. Pour que l'argent qu'on leur a octroyé, pour que ça ne se volatilise pas, mais pour qu'il y ait retour d'investissement. Les efforts, ça donne toujours. Et on a fait une sélection pour la Confégies, son cinquantenaire, cette année au niveau national. J'ai eu la chance et le mérite d'être sélectionné lauréat. Donc pour pouvoir représenter le Togo du 10 au 17 mars prochain au Maroc. Je vais me donner toujours pour ramener ce trophée au pays. Des volailles au caprin en passant par des rongeurs ou encore des champs écoles, Yao Cedro veut donc mettre en place ici une véritable ferme agricole. Et il se bat jour après jour pour que ses rêves deviennent réalité. Et dans le cadre des indemnisations amorcées par le HCRUN, le Haut Commissariat à la Réconciliation et Renforcement de l'Unité Nationale, une opération de réparation a débuté ce lundi du côté d'Atakpamé. L'opération qui prend en compte les victimes non vulnérables et surtout celles des événements socio-politiques de 1990 à 2004 se déroule dans les plateaux et les lacs et après suivront les étapes du pôle 1 qui concerne les régions centrales, Kara et Dapan. Le compte rendu depuis Atakpamé de Silver Abdou. À travers cette opération entreprise ici à Atakpamé, le HCRUN, Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, entame pour le compte des pôles de l'intérieur du pays la deuxième étape des indemnisations des victimes des violences sociopolitiques de 1990 à 2004. Cette opération concerne les victimes non vulnérables et consiste à apaiser les cœurs, mais aussi à stimuler les changements nécessaires pour booster la réconciliation et le vivre ensemble. Parmi ces victimes, Fousseni Aboubakar, qui place au centre de cette indemnisation la culture du pardon. On a pu supporter toutes ces choses-là depuis tant d'années. Bon, si Dieu a fait qu'aujourd'hui, ils ont souvenu de nous, donc on ne peut rien dire que sauf que de leur remercier, merci Dieu. Il faut toujours pardonner. Que sans pardon, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que Dieu nous a créés ici au Togo pour qu'on puisse vivre ensemble. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Donc il faut se pardonner et voir comment la vie va nous réserver l'avenir. Le processus enclenché par le gouvernement à travers ce volet de réparation consiste à apporter un réconfort et soutien aux victimes, ce qui a permis au gouvernement d'injecter au titre de l'allocation budgétaire de 2018 une enveloppe de 5 milliards pour l'atteinte des objectifs poursuivis par le HCRO. Il a été mis à la disposition de l'institution une allocation de 5 milliards qui est donc en train d'être utilisée pour la prise en charge médicale et l'indemnisation des victimes. Nous avions déjà entamé la phase de la prise en charge des victimes vulnérables à Lomé et maintenant dans les régions, il est question de prendre en compte les victimes non vulnérables. Et c'est dans ce cadre que nous sommes actuellement à Atakpamé. Après cela, nous allons toujours dans le même esprit continuer, n'est-ce pas, le travail vers l'intérieur du pays, notamment dans le pôle 1. Le pôle 1 qui est composé évidemment de la région des centrales et de la région de la Kara, c'est-à-dire les préfectures composant ces deux régions administratives. Et donc là aussi, nous aurons à nous fractionner en deux groupes de façon à ce que le travail puisse aller plus rapidement afin que les moyens mis à la disposition arrivent le plus rapidement possible aux intéressés, c'est-à-dire aux victimes. Dans les plateaux, l'opération se déroule dans deux zones. Il s'agit des plateaux Est, plus concrètement à Atakpamé, où elle s'étale du 11 au 16 février et prend en compte 8 préfectures notamment, Ogou, Hao, Ani, Esmono, Moyen-Mono, Wawa, Amou et Akebou. La deuxième zone est celle des plateaux Ouest, prévu du 14 au 16 février à Palimé, avec à l'affiche 4 préfectures, Agou, Kloto, Bélé et Dagny. Après les plateaux et les lacs, l'équipe va être déployée dans le septentrion pour la poursuite de cette opération.
Dans le reste de l'actualité, le 32e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier 10 février au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres de l'institution ont pris part à cette rencontre de haut niveau, rencontre à laquelle a été représenté le chef de l'État par le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Dossé. Et la rencontre s'est ouverte avec le passage de témoins entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui a pris ainsi officiellement la tête de l'Union africaine pour un an. Quels sont donc les grands enjeux de ce sommet et les défis qui attendent le nouveau président? Les réponses avec Augustin Kossi. Réformes institutionnelles et enjeux sécuritaires au cœur du 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Dans la capitale éthiopienne, cette rencontre de haut niveau s'était ouverte avec le passage de relais entre le Rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui prend désormais la présidence tournante de l'institution continentale pour un an. Un mandat qui va être fortement orienté vers la sécurité et la lutte contre le terrorisme. L'Égyptien a dévoilé les trois piliers de sa présidence, axés sur les infrastructures pour favoriser l'intégration régionale, l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et la création d'emplois pour les jeunes du continent. Au niveau des infrastructures, Al-Sissi, avant même de prendre la tête de l'Union africaine, a fait appel aux opérateurs économiques égyptiens à se tourner vers le sud. L'Égypte appuie également les accords de libre-échange à l'échelle continentale et tentera certainement de briser les derniers obstacles à l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange. Cet accord, signé en mars 2018, par 50 des 55 pays membres de l'UA, devra aboutir à terme à un marché unique africain avec libre circulation des personnes et des biens. La réforme sur laquelle Paul Kagame s'est le plus investi est celle de l'autofinancement de l'UA grâce au projet de 0,2% sur les importations. Or, l'Égypte est en voie d'industrialisation et craint que cette taxe ne pénalise ses jeunes entreprises demandeuses de matières premières et des produits semi-finis. Le RAIS va-t-il faire passer l'intérêt du continent avant celui de son pays? La Commission de l'Union africaine entend faire de l'institution continentale, au même titre que l'ONU, l'Italie ou la France, un médiateur, un faiseur de paix entre les parties libyennes qui se livrent une guerre sans merci depuis 8 ans. Or, le maréchal Al-Sissi est le meilleur allié militaire du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, contre les milices de Tripoli et de Misrata. L'équation semble un tout petit peu compliquée pour le nouveau président en exercice de l'UA. Autre défi non moins important, la question des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique. Sur le continent se trouvent 26% des 25 millions de réfugiés que compte la planète. L'année 2019 sera donc décisive dans l'application de la Convention de Kampala, le premier instrument juridique contraignant en matière de gestion des réfugiés. Direction d'Ofelgu à présent, où une opération foraine d'établissement de certificat de nationalité aux élèves de la préfecture vient d'être lancée. C'est à l'initiative de l'association Aide et Action à la Veuve, à l'Orphelin et à l'Enfant déshérité. Le compte-rendu depuis Niam Togo de Nestor Mozo. Des jeunes de la préfecture de Ofelgu en quête de leur certificat de nationalité togolaise. Ils profitent ainsi d'une opération foraine organisée par l'association Aide et Action à la Veuve, à l'Orphelin et à l'Enfant déshérité, AVOED, qui a voulu rapprocher les services techniques chargés d'établir ces documents de ceux qui sont dans la nécessité. On a remarqué que c'est un parcours de combattant pour la population de Ofelgu de se faire délivrer le certificat de nationalité. Il faut passer par le certificat d'origine qui en moyenne coûte 15 000 francs et plus les facilitations et autour où on va chercher dans les 21 000 francs. Donc généralement les parents n'ayant pas les moyens et n'arrivent pas à débloquer ces sous. Et les enfants ne savent généralement pas par où commencer. Cette pièce-là est d'autant plus importante qu'elle permet aux élèves, aux étudiants d'accéder à un certain nombre de services. C'est une bonne initiative pour moi parce que je suis en classe de terminale et bientôt je vais avoir mon bac. Je devais en avoir des difficultés à m'établir le certificat de nationalité. Donc c'est une occasion, j'ai profité
Donc je suis content. La direction du Sceau de la nationalité et de l'identité civile qui s'occupe de cette opération compte livrer les documents dans un délai raisonnable. C'est une initiative très salutaire en ce moment où la lutte contre l'apatridie est d'actualité. Il faut pouvoir prouver son rattachement à un État. Beaucoup d'individus ne sont des ressortissants d'un État que de fait, mais de droit, ils ne le sont pas encore. Alors, l'établissement des certificats de nationalité en faveur des ressortissants d'un État est un élément fondamental qui leur ouvre la porte de jouissance de tous les autres droits. Le préfet de Doufelgou, Kourazato, a saisi cette occasion pour appeler les parents à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants en leur faisant établir les pièces d'identité. L'association Avoued, qui a initié cette opération, a été créée il y a 12 ans. Elle appuie les élèves démunis et orphelins à chaque rentrée scolaire avec des fournitures. Elle accompagne aussi les veuves à travers les activités génératrices de revenus. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Sio, dans Doufelgou. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.